Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, couramment appelé Burkina, est un pays d'Afrique de l'Ouest sans accès à la mer, anciennement République de Haute-Volta. Il est entouré par le Mali au nord-ouest, le Niger au nord-est, le Bénin au sud-est, le Togo au sud-est, le Ghana au sud et la Côte d'Ivoire au sud-ouest. La capitale Ouagadougou est située au centre du pays. Le Burkina Faso est membre de l'Union africaine, UA, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, et de l'Organisation de la coopération islamique. C'est l'un des 10 pays les moins développés du monde, avec un indice de développement humain de 0,402 en 2015. Ancienne colonie française, la Haute-Volta obtient l'indépendance le 5 août 1960. Le nom actuel du pays, Burkina Faso, date du 4 août 1984, sous la présidence du révolutionnaire Thomas Sankara. Combinaison de deux mots dans deux langues principales du pays, il signifie la patrie des hommes intègres, Burkina se traduisant par « intégrité », « honneur » en moré, et Faso se traduisant par « territoire »,« terre » ou « patrie » en Dioula. La constitution nationale nomme les habitants du Burkina Faso les Burkinabés, mot invariable en genre et en nombre, où le suffixe « bé » se traduit par « habitant », « homme » ou « femme », « en peul ». Le choix de ce mélange de langues, fondé sur trois idiomes ayant le statut de langue nationale maoré, Dioula et le peul avec le français, dans la dénomination du pays et de ses habitants, traduit la volonté d'unification d'une société multiethnique, plus de 60 ethnies. On utilise les termes Burkina, Faso ou Burkina Faso dans les usages courants, et Burkina Faso dans les usages officiels. D'après la constitution du Burkina Faso, le Faso est la forme républicaine de l'État. Le terme Faso remplace donc le terme République. République du Burkina Faso ou République du Burkina ne sont pas employés à l'intérieur du pays. De même, on utilise officiellement président du Faso au lieu de président de la République. Comme pour tout l'ouest de l'Afrique, le Burkina Faso a connu un peuplement très précoce, avec notamment des chasseurs-cueilleurs dans la partie nord-ouest du pays, 12 000 à 5 000 ans avant l'ère chrétienne, et dont des outils, grattoirs, burins et pointes, ont été découverts en 1973. La sédentarisation est apparue entre 3600 et 2600, avant l'ère chrétienne avec des agriculteurs, dont les traces des constructions ont laissé envisager une installation relativement pérenne. L'emploi du fer, de la céramique et de la pierre polie s'est développé entre 1500 et 1000 avant l'ère chrétienne, ainsi que l'apparition de préoccupations spirituelles, comme en témoignent les restes d'inhumations découverts. Des vestiges attribués aux Dogons ont été découverts dans la région du centre-nord, du nord et du nord-ouest. Or, ceux-ci ont quitté le secteur entre le 15e siècle et le 16e siècle, pour s'installer dans la falaise de Bandiagara. Par ailleurs, des restes de murailles sont localisés dans le sud-ouest du Burkina Faso, ainsi qu'en Côte d'Ivoire, mais leurs constructeurs n'ont à ce jour pas pu être identifiés avec certitude. Les ruines de l'Oropéni, situées près des frontières de la Côte d'Ivoire et du Ghana, sont aujourd'hui reconnues sites du patrimoine mondial. Avant la colonisation, le territoire actuel du Burkina Faso était partagé entre différents royaumes ou chefferies, le Gurma, pays des Gourmanche et des Bemba, le Mossi, pays des Mossi, le Guirico, pays des Bobo Dioula, le Bissa, pays des Bissa, le Bri ou Barka, le Liptako, pays des Peul, des Haoussa et des Belas. On oublie souvent la période des Amoravides et Ibn Tashfin. Il y a des récits historiques qui détaillent les conquêtes berbères islamiques ayant fait allégeance au califat de Bagdad, Abbaside, qui étendirent le royaume almoravide jusqu'aux portes du nord du Congo. On trouve peu de témoignages sur cette époque au Burkina Faso. Toutefois, une chronologie des royaumes Mossi existe. Les Européens ont eu peu de contact avec le Mossi,
ainsi que l'on désignait ce territoire, et ils se sont produits peu avant la colonisation. Le compte rendu du Niger au golfe de Guinée du voyage de Louis-Gustave Binger, 1856 à 1936, relate son séjour, en juin 1888, chez Boukhari, le frère du Moro Naba Sanem de Ouagadougou. Lequel Boukhari devait devenir le Moro Naba Wobro qui résista aux Français, avec des moyens bien limités devant leurs armes modernes. Binger décrit un royaume organisé suivant un système féodal. En 1896, le royaume Mossi de Ouagadougou devient un protectorat français. En 1898, la majeure partie de la région correspondant à l'actuel Burkina Faso est conquise. En 1904, ces territoires sont intégrés à l'Afrique occidentale française au sein de la colonie du Haut-Sénégal et Niger. De nombreux habitants participèrent à la Première Guerre mondiale, au sein des bataillons de tirailleurs sénégalais. En 1915 et 1916, a lieu la guerre du Bani-Volta pour protester contre les recrutements forcés. Près de 30 000 personnes furent tuées par les troupes de l'Afrique occidentale française. Le 1er mars 1919, Édouard Essling devient le premier gouverneur de la nouvelle colonie de Haute-Volta. Celle-ci est démembrée le 5 septembre 1932, et le territoire est partagé entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. La population indigène est fortement discriminée. Par exemple, les enfants africains n'ont pas le droit d'utiliser une bicyclette ou de cueillir des fruits aux arbres, privilège réservé aux enfants des colons. Contrevenir à ces règlements pouvait mener les parents en prison. Le 4 septembre 1947, la Haute-Volta est reconstituée dans ses limites de 1932. Le 11 décembre 1958, elle devient la République de Haute-Volta, une république membre de la communauté française, et elle accède à l'indépendance le 5 août 1960. Le nom Burkina Faso est adopté le 4 août 1984. Le premier président de la République de Haute-Volta est Maurice Yaméogo. Le 4 janvier 1966, le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana le remplace au pouvoir après un soulèvement populaire. Au début des années 1980, la Haute-Volta est l'un des pays les plus pauvres du monde, un taux de mortalité infantile estimé à 180 pour 1000, une espérance de vie se limitant à 40 ans, un taux d'analphabétisme allant jusqu'à 98%, et un produit intérieur brut par personne de 53 356 francs CFA, soit 72 euros. Le 25 novembre 1980, un coup d'état militaire porte le colonel Saï Zerbo au pouvoir. Celui-ci est renversé en 1982 par un autre coup d'état militaire, qui place le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo à la tête de l'État, et le capitaine Thomas Sankara à la tête du gouvernement. Ce premier entre en conflit avec Sankara et le limoge de son poste de premier ministre, en mai 1983. Trois mois plus tard, le 4 août 1983, Thomas Sankara effectue un nouveau putsch et instaure le Conseil National de la Révolution, CNR, d'orientation marxiste. Le 2 août 1984, le président Sankara rebaptise son pays Burkina Faso. Le décret présidentiel est confirmé le 4 août, par l'Assemblée nationale. Son gouvernement défend la transformation de l'administration, la redistribution des richesses, la libération de la femme, la mobilisation de la jeunesse et des paysans dans les luttes politiques, la lutte contre la corruption, etc. Thomas Sankara retire aux chefs traditionnels, les pouvoirs féodaux qu'il continuait d'exercer. Il crée les CDR, Comités de défense de la Révolution, qui sont chargés localement d'exercer le pouvoir, gérant la sécurité, la formation politique, l'assainissement des quartiers, la production et la consommation de produits locaux, ou encore le contrôle budgétaire des ministères. Cette politique visait à réduire la malnutrition, la soif, avec la construction massive par les CDR, de puits et retenues d'eau, la diffusion des maladies, grâce aux politiques de vaccination commando, notamment des enfants, burkinabés ou non, et l'analphabétisme. L'analphabétisme est passé pour les hommes de 95% à 80%, et pour les femmes de 99% à 98%, grâce aux opérations Alpha.
Des projets de développement sont également portés par les CDR, comme l'aménagement de la vallée de la Sourou, destinée à irriguer 41 000 hectares. Les dépenses de fonctionnement diminuent, pour renforcer l'investissement. Les salaires sont ponctionnés de 5 à 12%, mais les loyers sont déclarés gratuits pendant un an. En 1986, le Burkina Faso atteint son objectif, de 2 repas et de 10 litres d'eau par jour et par personne. Soucieux d'environnement, Sankara dénonce des responsabilités humaines dans l'avancée du désert. En avril 1985, le CNR lance ainsi les 3 luttes, fin des coupes de bois abusives et campagne de sensibilisation concernant l'utilisation du gaz, fin des feux de brousse et fin de la divagation des animaux. Le gouvernement mène des projets de barrages, alors que des paysans construisent parfois eux-mêmes, des retenues d'eau. Thomas Sankara critique également le manque d'aide de la France, dont les entreprises bénéficient pourtant en majorité, des marchés liés aux grands travaux. Symboliquement, une journée du marché au masculin est instaurée pour sensibiliser au partage des tâches ménagères. Sankara avance aussi l'idée d'un salaire vital, prélevé à la source d'une partie du salaire de l'époux, pour le reverser à l'épouse. En décembre 1985, une courte guerre frontalière, la guerre de la bande d'Agaché, oppose le Burkina Faso au Mali. Elle s'achève, grâce à la médiation du Nigeria et de la Libye. La bande de territoire contestée est partagée entre les deux États, en décembre 1986, par un jugement de la Cour internationale de justice. Le capitaine Blaise Compaoré prend le pouvoir lors d'un putsch, le 15 octobre 1987. Au cours de ces événements, il aurait fait assassiner son prédécesseur, Thomas Sankara. La mort de ce dernier est sujette à controverse. La période suivant le coup d'État, est baptisée rectification par Blaise Compaoré. Une nouvelle constitution est adoptée par référendum, et le 1er décembre 1991, Blaise Compaoré est élu président de la République, taux d'abstention, 74%. Il est réélu en 1998, 2005, et en 2010. Les violences policières et les meurtres d'opposants au président Blaise Compaoré, scandent les décennies 1990 et 2000, Dabo Boukari en 1990, deux étudiants en 1995, Flavien Nébier, 12 ans, en 2000. Tous étaient militants ou manifestants. Le Burkina Faso connaît aussi des mouvements d'émeutes, en 1998 après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, en 2006 avec l'arrestation de certains étudiants à la suite d'une conférence de presse à l'université de Ouagadougou, en 2007 à 2008 contre le coût élevé de la vie. En juin 2008, l'université de Ouagadougou connaît une grève massive, qui se solde par une reprise en main brutale de l'université par le pouvoir, suppression de toutes les prestations sociales étudiantes, bourses, restauration, résidences universitaires vidées en 2 jours, après tir à balles réelles sur les étudiants. La révolte de 2011, secoue le pays en même temps que le printemps arabe. En 1999, à la suite de la loi ivoirienne de 1998 sur le domaine foncier rural, un conflit foncier a lieu à Tabou, en Côte d'Ivoire, entre Burkinabés et Ivoiriens. 17 000 d'entre eux, fuient au Burkina Faso. En septembre 2000, de nouveau, un conflit foncier, à San Pedro cette fois, provoque l'évacuation d'un millier de Burkinabés. Enfin, en 2001, à la suite de l'élection de Laurent Gbagbo, des émeutes se multiplient. 80 000 Burkinabés rentrent au Burkina Faso. Le 30 octobre 2014, Blaise Compaoré fait face à un soulèvement populaire contre son projet de modification, de l'article 37 de la loi fondamentale limitant le nombre de mandats présidentiels, afin de se représenter en 2015. À la suite des émeutes, Blaise Compaoré quitte le pouvoir et le chef d'état-major des armées. Honoré Traoré annonce la création d'un organe de transition, chargé des pouvoirs exécutifs et législatifs, dont l'objectif est un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai de 12 mois. Le 1er novembre 2014, l'armée publie un communiqué qui affirme son soutien à Isaac Zida, comme président de transition. Honoré Traoré en est un des signataires,
ce qui implique son renoncement au pouvoir. Le 17 novembre 2014, le diplomate Michel Cafando est nommé président de transition. Il nomme Isaac Zida, premier ministre. Le 17 septembre 2015, des militaires du régiment de sécurité présidentielle, RSP, retiennent en otage le président et le premier ministre, et annoncent la dissolution du gouvernement transitoire. Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de l'ancien président Blaise Compaoré, se proclame chef d'État, dans un climat de tension importante au sein du pays. Le coup d'État entraîne la suspension du Burkina Faso, parmi les membres de l'Union africaine. Le 22 septembre 2015, l'armée entre à Ouagadougou pour exiger la reddition des putschistes. Le jour même, le chef des putschistes annonce que le président de la transition sera remis en selle, après que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a demandé à son régiment de déposer les armes. Le 23 septembre 2015, le président de la transition, à travers une allocution à la nation, annonce la fin du coup d'État et reprend son poste. Le Burkina Faso est réintégré comme membre de l'Union africaine fin septembre. Le 30 novembre 2015, à la suite des élections présidentielles et législatives, Roch Marc Christian Kabore est élu au premier tour président du Burkina Faso, avec 53,49% des voix devant Zéphirin Diabré, UPC, qui récolte 29,65% des voix, les 12 autres candidats se partageant le reste. Il est le deuxième président civil depuis l'accès à l'indépendance du Burkina Faso, après Maurice Yaméogo. Le nouveau président est rapidement confronté à des attaques des djihadistes, dans le nord du pays, à la frontière avec le Mali. Et la politique intérieure, est marquée par un marasme et une contestation montante, du président élu en 2015. Dans la nuit du 3 au 4 février 2019, un groupe terroriste attaque la ville de Kayes dans le département du même nom, au nord de la province de Yatenga. Le bilan est de 14 morts civiles. L'armée réagit rapidement, avec des actions contre les groupes terroristes dans le nord-ouest du pays, déclarant avoir alors neutralisé 146 terroristes. À la veille du début de l'année de la présidence par le pays du G5 Sahel, l'attaque terroriste porte à près de 300, le nombre d'habitants assassinés par ces groupes depuis 2015. Le jour inaugural du G5 Sahel, mardi 5 février, un détachement de la gendarmerie est attaqué à Oursi, 5 militaires meurent, contre selon l'armée, 21 assaillants tués lors de l'attaque. L'insécurité croissante a entraîné la multiplication des milices. En 2020, le pays compterait près de 4500 groupes de Kogvéogo, mobilisant entre 20 000 et 45 000 membres. Pour faire face aux crimes organisés, attaques à main armée dans les lieux de travail et habitation, vols d'animaux et autres formes de violence ciblant notamment les populations rurales et périurbaines, des groupes d'autodéfense se sont constitués au sein de certaines communautés. Dénommés Kogvéogo, ils sont indépendants vis-à-vis de l'État, ne rendent compte à personne. Ils agissent hors de tout cadre légal. Ils ont localement fait reculer la délinquance, mais des exactions commises par certains de leurs membres créent une nouvelle source d'insécurité et de péril pour les droits humains, et affaiblissent encore le système judiciaire légal, déjà critiqué pour son inefficacité par la population et les médias. Au sein de Kogvéogo qui, sous prétexte d'une réponse citoyenne à la crise sécuritaire, s'arroge le droit d'arrêter, de juger et de sanctionner, par des amendes, sévices corporels et humiliations, au terme de tribunaux populaires expéditifs, de graves violences, tortures notamment, sont observés. De présumés voleurs sont ligotés au pied d'un arbre, fouettés avec des branches enflammées de tamariniers, le tout en public, et ce jusqu'à ce qu'ils avouent leurs crimes, bafouant les droits de l'homme via une justice expéditive. Selon Amnesty International, les Kogvéogo ont commis des exactions, telles que des passages à tabac et des enlèvements, poussant ainsi des organisations de la société civile à reprocher à l'État de ne pas agir suffisamment pour empêcher ces violences et y remédier. Une levée de boucliers qui avait amené l'État à condamner en septembre 2016, 4 Kogvéogo à 6 mois d'emprisonnement, et 26 autres à des peines allant de 10 à 12 mois de prison avec sursis. Les 29 et 30 mai 2020, plusieurs attaques djihadistes ont fait une cinquantaine de morts à Kompienga. En juin 2021, une nouvelle attaque djihadiste fait 160 personnes mortes dont une vingtaine d'enfants à Solan, un village au nord-est du pays.
C'est l'attaque la plus meurtrière enregistrée au Burkina Faso, depuis le début des assauts djihadistes, en 2015. En 6 ans, les violences ont déjà fait plusieurs milliers de morts, plus particulièrement dans la zone proche des frontières, avec le Mali et le Niger. Deux grands types de paysages existent au Burkina. La plus grande partie du pays est couverte par une pénéplaine. Elle forme un relief très légèrement vallonné, avec par endroits quelques collines isolées, ultime vestige d'un massif du précambrien. C'est un paysage assez uniforme, avec un sol le plus souvent coloré en ocre par la latérite. Il a un relief plat qui ne retient pas de grandes quantités d'eau, d'où l'insuffisance hydrique dans certaines régions. La partie sud-ouest du pays forme un massif gréseux. Le point culminant du pays s'y trouve, le Tenakuru, 749 mètres. Le massif est limité par des falaises très escarpées atteignant 150 mètres de haut, falaises de Banfora, pic de Sindou, cavernes de Douna, etc. L'altitude moyenne est de 400 mètres, et le différentiel entre les deux points extrêmes ne dépasse pas 600 mètres. Le Burkina Faso est donc un pays plutôt plat, avec quelques accidents de terrain localisés. Quoique peu élevé et relativement peu arrosé, le Burkina a un réseau hydrographique assez important, surtout dans sa partie méridionale. Les cours d'eau se rattachent à 3 bassins principaux, les bassins de la Volta, de la Comoé et du Niger. Le pays devait son ancien nom de Haute-Volta, aux 3 cours d'eau qui le traversent. Le Mouhoun, anciennement Volta Noir, le Nakambé, Volta Blanche, et le Nazinon, Volta Rouge. Le Mouhoun est le seul fleuve permanent du pays, avec la Comoé qui coule au sud-ouest. Le plus important, il s'étend au centre et à l'ouest du pays sur une superficie de 178 000 km². Il est constitué par 3 sous-bassins majeurs, ceux du Mouhoun, du Nakambé et du Nazinon. Les eaux de ces bassins se rejoignent au centre du Ghana, où elles forment le lac Volta. Seul cours d'eau permanente avec un bassin versant de 92 000 km², il prend sa source sur le versant nord du massif gréseux de la falaise de Banfora, dans une région où les précipitations dépassent 1000 mm par an. Il coule d'abord vers le nord-est, puis s'infléchit brusquement vers le sud. Au confluent du Sourou, le bassin versant du Mouhoun et ses principaux affluents, Plandi, Kou, Vounou, fournissent un débit moyen de 25 m³ par seconde. Ce débit est cependant très irrégulier. Le principal affluent du Mouhoun est le Sourou, rivière à pente peu accusée, qui draine l'ancienne plaine lacustre du Gondo, dont le bassin versant est de 15 200 km². Ce bassin, presque totalement sahélien, ne produit que de faibles écoulements. À l'état naturel, lors des décrues, le Sourou alimentait le Mouhoun. Depuis 1984, les ouvrages de dérivation et de contrôle installés, en amont de la confluence avec le Mouhoun, permettent le stockage de 250 millions de mètres cubes dérivés des crues d'hivernage, et de restituer le surplus dans le cours, aval du Mouhoun pendant la saison sèche. Changeant brusquement de direction après la boucle du Sourou, le Mouhoun coule vers le sud-est puis plein sud, formant frontière avec le Ghana. Il parcourt le pays sur une distance d'environ 860 km. Il prend sa source à l'est de Waiguya, dans une région qui reçoit 500 à 600 mm d'eau par an. Il draine un bassin versant de 50 000 km². Il draine toute la partie centrale et le nord du plateau central et ne coule que pendant la saison des pluies. Les premiers écoulements intermittents peuvent se produire en mai, mais ce n'est qu'en juillet, août, que les débits deviennent permanents à la station de Wayan, et se renforcent vers l'aval pour atteindre à Bagré, un débit moyen de 145 m³ par seconde en août.
lui et son principal affluent, la Sicilie, drainent la partie sud-ouest du plateau central, avec un bassin versant de 20 000 km². Leur régime hydrologique est très voisin de celui du Nakambe. Il forme la frontière sud-est du Burkina avec le Bénin, reçoit en rive droite trois affluents, le Doudodo, le Singou et la Compienga, dont les bassins versants totalisent 21 600 km². Ces affluents apportent moins de 30% du débit moyen de la Pendjari, qui elle-même tarit complètement une année sur deux, en avril à Porga au Bénin. La Comoé draine l'extrémité sud-ouest du pays, sur un bassin versant de 18 000 km², comprenant de nombreux affluents. Elle prend sa source dans les falaises autour de Banfora, notamment dans le village de Takalédougou Koko. Son cours, coupé par des rapides et des chutes, communique avec des mares permanentes situées au pied de la falaise de Banfora, comme le lac de Tengrela. Les écoulements sont permanents. La pluviométrie relativement abondante de ces régions, confère aux rivières qui s'y trouvent, un régime nettement soudanien avec une augmentation des débits, dès le mois de juin, et les débits de crue en août, septembre pouvant atteindre 500 m3 par seconde. Le bassin du Niger draine le nord-est et l'est du pays. Son bassin versant a une superficie de 72 000 km². Les affluents burkinabés du Niger les plus septentrionaux sont en grande partie endoréiques, le Béli, le Goruol, le Goudébo et le Dargol, et sont à l'origine de crues importantes. Par contre, les affluents soudano-sahéliens, la Faga, la Sirba, la Bonswaga, le Diamangou et la Tapoa, ont des régimes un peu moins irréguliers, et contribuent à la crise dite soudanienne du Niger, qui se produit en septembre. Ces cours d'eau de faible débit, ne forment souvent qu'un chapelet de mare. Toutes les rivières du Burkina, excepté le Mouhoun et celle du sud-ouest, bassin de la Comoé, sont temporaires, ne coulant que de juillet à octobre. En dehors du réseau hydrographique, il existe des bassins fermés qui alimentent de nombreuses grandes mares ou lacs naturels, sans écoulement permanent ou temporaire, qui occupent les bas-fonds ou les espaces interdunaires, les lacs de Tingrela, de Bam et de Dem, les mares d'Oursi, de Béli, de Yomboli et de Markoï. Les observations effectuées sur la mare d'Oursi et le lac de Bam, laissent penser que le fond de ces lacs se colmate par des dépôts argileux. Le manque d'eau est souvent problématique, surtout au nord du pays. Le Burkina Faso possède un climat tropical de type soudano-sahélien, caractérisé par des variations pluviométriques considérables, allant d'une moyenne de 350 mm au nord, à plus de 1000 mm au sud-ouest, avec deux saisons très contrastées, la saison des pluies avec des précipitations comprises entre 300 mm et 1200 mm, et la saison sèche durant laquelle souffle l'harmattan, un vent chaud et sec, originaire du Sahara. On peut donc distinguer trois grandes zones climatiques, zone sahélienne au nord du pays, moins de 600 mm de pluviométrie par an, et amplitudes thermiques élevées, 15 à 45 degrés Celsius, zone soudano-sahélienne entre 11 degrés et 13 degrés de latitude nord. C'est une zone intermédiaire pour les températures et les précipitations, zone soudano-guinéenne au sud du pays, plus de 900 mm de pluie par an, et des températures moyennes relativement basses. On distingue deux saisons inégales, une saison d'hivernage très courte de 3 à 4 mois, juin à septembre, et une saison sèche de 8 à 9 mois, octobre à juin. La rareté et la mauvaise répartition des pluies, provoquent des migrations de plus en plus fortes des populations, principalement du nord et du centre vers les villes, le sud-ouest du Burkina Faso, et les pays de côte. La température varie de 16 à 45 degrés Celsius, l'évaporation moyenne annuelle est estimée à 3000 mm, et la recharge annuelle de la nappe souterraine à 40 mm. La savane soudanienne occidentale couvre la grande majorité du pays,
à l'exception de la pointe nord. Dans les années 1980, alors que la conscience écologique est encore très peu développée, le président du Burkina Faso Thomas Sankara est l'un des rares dirigeants africains à considérer la protection de l'environnement comme une priorité. Il s'engage dans trois combats majeurs. Contre les feux de brousse, qui seront considérés comme des crimes et seront punis comme tels, contre la divagation du bétail, qui porte atteinte aux droits des peuples, car les animaux non surveillés détruisent la nature, et contre la coupe anarchique du bois de chauffe, dont il va falloir organiser et réglementer la profession. Dans le cadre d'un programme de développement, associant une grande partie de la population, 10 millions d'arbres en 15 mois ont été plantés au Burkina Faso pendant la Révolution. Pour faire face à l'avancée du désert et aux sécheresses récurrentes, Thomas Sankara propose également la plantation de bandes boisées d'une cinquantaine de kilomètres, traversant le pays d'est en ouest. Il songe ensuite à étendre cette ceinture végétale à d'autres pays. La production de céréales, proche de 1,1 milliard de tonnes avant 1983, va grimper à 1,6 milliard de tonnes en 1987. Jean Ziegler, ancien rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation de l'ONU, souligne alors que le pays est devenu alimentairement autosuffisant. Les Mossi sont l'ethnie majoritaire du Burkina Faso, constituant plus de 56% de la population, soit 11 à 12 millions de personnes, et se situent principalement au centre du Burkina Faso, dans les villages des bassins des rivières Nazinon et Nakambé. Les Mossi parlent le moré. Les Peuls au Burkina Faso ont pour principale zone d'implantation, le nord, à savoir les provinces du Soum, du Séno, du Yaga et partiellement celle de l'Oudalan. On distingue les Peuls du Djelgodji venus chercher refuge en Côte d'Ivoire, après avoir perdu leurs troupeaux pendant la sécheresse, de 1983 à 1984. Les Gurunsis, les Senoufos, les Lobis, les Bobos et les Samos sont aussi des ethnies du Burkina Faso. En 1996, une loi fait entrer l'interdiction de l'excision dans le code pénal, bien qu'elle continue malgré tout à être pratiquée, en particulier dans les zones rurales. En 2003, 65% des Burkinabés, entre 15 et 19 ans ont été excisés, ce chiffre tombant à 57,6% en 2010. Depuis les années 1990, 45 comités provinciaux de lutte contre la pratique de l'excision sont chargés de parcourir le pays, afin de convaincre les familles et les chefs coutumiers de ne pas faire exciser les jeunes filles. Les mutilations génitales féminines sont interdites depuis 1996, mais pratiquées fréquemment. Il y a une sous-représentation des femmes dans l'enseignement secondaire et supérieur, mais elles sont de plus en plus présentes. Le Burkina Faso a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 1984. Il y a une soumission des femmes à l'autorité masculine, père, mari, frère. Le niveau d'analphabétisme des femmes est élevé. La polygamie est encore très présente. Les mariages précoces sont fréquents. Le mariage forcé est illégal dans le pays, mais la loi s'applique seulement aux mariages enregistrés à l'État. Le Burkina Faso a l'un des taux de mariage forcé dans le monde les plus élevés. Les filles qui accouchent peuvent souffrir de problèmes, tels que la fistule obstétricale. Un numéro vert pour dénoncer les violences faites aux femmes est mis en place en 2021. Cécile Tiombiano, juriste et activiste pour les droits des femmes, lutte avec Médecins du Monde pour aider les femmes de son pays contre les grossesses non désirées. Elle soutient les victimes d'abus sexuels et lutte globalement contre les violences faites aux femmes et contre le mariage d'enfants au Burkina Faso. Le français est la principale langue des institutions, des instances administratives, politiques et juridiques, des services publics, des textes et des communiqués de l'État, de la presse écrite et des écrivains. Il s'agit de la seule langue à l'écrit des lois, de l'administration et des tribunaux. De plus, le Burkina Faso est membre de l'Organisation internationale de la francophonie, de même que de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.
Selon une estimation de la CIA de 2003, seuls 21,8% de la population de 15 ans et plus sait lire et écrire, dont 29,4% des hommes et 15,2% des femmes. De plus, le taux net, c'est-à-dire sur une classe d'âge donnée, de scolarisation, malgré une hausse constante depuis plusieurs années, n'est que de 47,70% pour l'année scolaire 2005 à 2006, d'où le fait que le français ne soit compris que par environ 15% de la population, dont seulement 5% de francophones réels, selon la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Malgré la supériorité numérique des langues nationales, le statut de langue officielle et celui de langue internationale font en sorte que le français pèse progressivement de plus en plus dans la vie sociale et économique du pays. Le français jouit, sur le plan social, d'un statut de prestige associé à une participation au monde moderne. Il s'agit de la langue de la promotion sociale. Selon le dernier rapport de l'OIF, le français devient de plus en plus la langue première des Burkinabés. Ainsi, seules 20 947 personnes déclaraient le français comme première langue couramment parlée en 1985, soit 0,42% de la population du pays, 49 647 en 1996, 0,75%, puis 151 184 en 2006, 1,66%, dont 104 700 à Ouagadougou, soit 9,54% des Ouagalais. Selon André Magor et Rodrigue Landry, depuis quelques années, dans les villes principales telles que Ouagadougou, Bobo et Banfora, la langue française s'étend à d'autres situations de communication que celles juste décrites. Devant la dimension de plus en plus multilingue de ces villes, le français s'impose de façon croissante comme lingua franca, chez les commerçants et lors des échanges liés à tous les petits métiers, qui se multiplient dans ces grandes villes. La langue française parlée n'est plus alors le français standard, mais un français qui, sans la base de l'écrit, se transforme, se réinvente pour une part. Cette expansion du français est relayée par l'affichage publicitaire très présent dans les villes, et qui propose des slogans en français. Ces slogans deviennent vite populaires dans une société burkinabé à forte tradition orale. Cette variété de français endogène qui résulte d'une hybridation linguistique, est un pidgin en voie de créolisation. Ainsi comme dans le pays voisin, la Côte d'Ivoire est apparu un français populaire au Burkina Faso. Dans ce français, appelé parfois français de Ouaga, et qui reste essentiellement une langue orale, s'est créé un certain nombre d'interférences entre le français standard et le français populaire du Burkina, du fait de l'influence des langues africaines dans la pratique locale du français. On assiste de plus en plus à des mariages mixtes, constituant des familles, dont la langue première est le français. Enfin, l'Association des municipalités du Burkina Faso AMBF, de même que les villes de Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouagadougou, Tenkodogo, Banfora, Dédougou, Manga, Ouaigouya et Yako, sont membres de l'Association internationale des maires francophones. Il existe plus de 60 langues dont les principales sont le Moré langue parlé par les Mossi, le San parlé par les Samos, le Peul parlé par les Peul, le Gourmantché parlé par les Gourmantché dans l'est du Burkina Faso, le Dagara parlé par les Dagara, le Dioula qui est une langue commune à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, parlé par les Dioula. Le Lobiri parlé par les Lobis, le Marka ou Soninké parlé par les Marka, Soninké, communément appelé Dafing, le Bobo, le Boamou parlé par les Boaba, le Sénoufo parlé par les Sénoufos, le Toussian parlé par les Toussian, le Kassena et le Lielé parlé par les Gourounsis, et le Bissa parlé par les Bissa. Le quatrième recensement général de la population et de l'habitation du Burkina Faso a été réalisé sur le terrain au mois de décembre 2006. Il a recensé 60,5% de musulmans, 23,2% de chrétiens, 19% de catholiques et 4,2% de protestants, 15,3% d'animistes, 0,6% d'autres religions, et 0,4% de sans-religion. Les mariages entre personnes de religions différentes sont nombreux au Burkina Faso. Il est fréquent qu'une personne change de religion, sans que cela ne scandalise son entourage.
le Burkina Faso est un pays membre de l'Organisation de la coopération islamique. Depuis son indépendance en août 1960, le Burkina Faso a connu plusieurs régimes politiques, états de droit et états d'exception. À partir de 1991, le pays a officiellement opté pour un système politique démocratique, en adoptant une constitution par voie référendaire, et en organisant des élections présidentielles et législatives. Aujourd'hui, des institutions républicaines sont mises en place, les élections du premier et du deuxième président de la 4e République respectivement en 1991, 1998, 2005, 2010 et 2015, les élections législatives en 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 et 2015, la mise en place de l'appareil judiciaire. Il s'agit donc d'un État démocratique à trois pouvoirs qui sont le pouvoir exécutif assuré par le gouvernement, le pouvoir législatif constitué de l'Assemblée nationale, et le pouvoir judiciaire. En outre, d'autres institutions viennent consolider l'état de droit. Ce sont notamment le médiateur du Faso, le Conseil économique et social, le Conseil supérieur de la communication, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, et la Commission nationale de la décentralisation, CND.